très souvent les politiques publiques sont organisées par des logiques très libérales pour favoriser les échanges et que ça ne va pas du tout dans le sens qui conforte les paysans, mais plutôt les gens qui s'organisent, soit l'agro-industrie ou les multinationales, pour faire du commerce et se servir de l'agriculture comme un minerai, une matière première, pour faire des profits, essentiellement. Là encore, les derniers résultats du premier semestre montrent que les multinationales préfèrent redistribuer à leurs actionnaires, et en particulier en France, et dedans, il y a bien sûr les groupes agroalimentaires qui sont présents sur le territoire, du côté français, mais aussi donc au niveau international. Et leur priorité, c'est pas de nourrir les gens, c'est à partir de cette matière première de faire des profits. Je vais vous rappeler le contexte difficile dans lequel donc on est pris, nous, en tant que paysans, un peu en otage de cette politique-là, en particulier avec la politique agricole commune, qui donne des aides aux paysans et qui a un effet extrêmement pervers, parce que à terme, en fait, ce qui se passe, c'est que les paysans perdent le sens de ce pourquoi on a notre vocation. Et que les gens, quelque part, se disent, eh bien voilà, avec la surface que j'ai, etc., eh bien, comme c'est de l'argent qu'on nous donne, comment c'est le plus facile, quelque part, d'avoir de l'argent? Et de nos jours, dans notre société, pour tout le monde, c'est moins se travailler et gagner plus, mais sans faire grand-chose. Les paysans n'échappent pas, malheureusement, à cette logique-là. Et le système actuel des aides directes fait que des paysans, que ce soit dans les cultures ou en élevage, perdent leur sens de paysans pour aller vers ce système qui est très encourageant d'aller un peu à la chasse aux primes. Donc ça, c'est un contexte quand même qui est assez destructeur par rapport à la vocation première de ce qu'on va faire. Donc je voulais rappeler ici les spécificités de l'agriculture du Pays Basque, mais du Pays Basque Nord, hein, en parallèle. Rappeler que c'est une vocation d'élevage. Il y a quelques terres aussi où on fait des céréales qui ont été plus tournées vers le maïs. Voilà. Mais globalement, on est quand même plus tourné vers une vocation d'élevage avec une spécificité sur la produit laitière et les vaches allaitantes. Ce que je voudrais rappeler structurellement aussi, c'est que ce sont des exploitations de taille moyenne voire petite par rapport à la structuration au niveau français, des tailles de plus petites exploitations. Rappelez que les gens ici portent le nom de la maison et que l'agriculture, ce n'est pas une vocation de spéculer pour faire de l'argent, c'est une vocation d'entretenir et de maintenir un patrimoine. Les gens, ils portent le nom de la maison et il y a une solidarité ici au sein de la famille. Dans la transmission entre les gens, il y en a un qui reste beaucoup sur la ferme. Longtemps, c'était des fois un peu par obligation. Maintenant, c'est en train de changer, c'est plus par vocation. Mais il y a donc un encouragement pour cette reprise, parce qu'il y a des abandons de frères et sœurs par rapport à leur part sur les exploitations. Donc ça permet de garder une entité. Il y a cette identité qui est liée à la culture, qui est très forte. Donc on a une agriculture qui est agriculturelle dans le sens, je dirais, d'une éthique du rôle du paysan sur son territoire. Ça, je crois que ce sont des bases fondamentales qui quelque part, sèment un peu les graines, peut-être sans le vouloir, d'une certaine résistance à la logique du productivisme sur ce territoire. Et ce qui est aussi auquel les gens sont très attachés avec ce système d'élevage, c'est qu'ils utilisent toutes les surfaces. On utilise la surface des biens privés, mais également les communaux et les estives. C'est pour ça que pour des gens qui sont extérieurs, quand ils parcourent le territoire, ils le trouvent relativement joli. Alors on a un climat océanique qui nous est favorable à la pousse de l'herbe, et donc bien sûr c'est certainement plus vert qu'ailleurs, mais c'est aussi parce que c'est entretenu et parce qu'on entretient toutes les surfaces. Parce que quand on a un climat humide et si on laisse faire la végétation, ce serait vite embroussaillé ou pris par la forêt. Ce ne serait pas du tout le même aspect, le même paysage que cela donnerait. Et on sait que de nos jours, l'image, c'est quelque chose de très important. On est dans une société d'image. Toutes les batailles aussi qui se mènent, c'est à coup de communication. Et avoir une bonne image, et le Pays Basque, donc,
par son agriculture, entretient cet immeuble. Et c'est clair que dans cette logique-là, nous, la stratégie qu'on a développée, que les paysans ressentent, c'est pas d'aller sur la compétition au niveau mondial, c'est plus continuer à se démarquer par la spécificité de notre production, et voilà, sur ce petit territoire qui fait que 40% d'un département, on a 4 appellations d'origine. Un petit vignoble, au niveau du fin du Roulégui, qui s'est beaucoup amélioré ces dernières années par les initiatives des vignerons indépendants, parce que souvent dans les logiques de coopérative, eh bien, on faisait un petit peu de la quantité et au détriment un peu de la qualité. Et l'initiative de gens qui vinifient leur vin, mais ça a été vrai aussi dans beaucoup d'autres secteurs, ça a été effectivement joué sur cette qualité, et on a même 40% du vignoble qui a fait qui est en agriculture biologique. Donc voilà, c'est très important cette prise de conscience sur des logiques de production de qualité plutôt que des productions de masse. Nous avons aussi le piment d'Espelette. Alors le piment d'Espelette, tout le monde en a un petit peu entendu parler, parce que effectivement c'est une épice, donc il n'y a pas beaucoup d'épices qui sont produites sur le territoire français ou même en Europe. Les épices, ça venait plutôt d'ailleurs, du commerce d'ailleurs. Et c'est vrai que sa particularité, c'est qu'il il est beaucoup apprécié en cuisine et par les grands chefs. Sur une émission, il y en a pas mal qui va vous en parler, tout simplement parce que ça remet en avant, ça fait ressortir l'autre matière qu'on travaille, quoi. C'est une sorte d'exhausteur de goût, sans trop le savoir, quoi. Parce qu'il y a certains piments qui, eux, prennent le dessus parce qu'ils sont très très forts et il y a ça qui vous reste en bouche. Alors que le piment de squelette, eh bien, il met en valeur les produits que vous cuisinez. Donc cette particularité-là aussi, c'est important. Et il y a aussi le porc quinois, qui est une race de porc basque, donc qui est élevé en plein air, mais beaucoup de temps à être élevé, et qui fait une viande persillée de qualité. On a essayé de dire aussi beaucoup les jambons, et donc il donne une qualité un petit peu particulière, et bien sûr c'est une niche sur la production de porc globale par rapport à la masse de la production de porc qui est produite. Et on a aussi la spécificité donc, par rapport au lait de brebis sur le fromage d'appellation au Sauvirati. C'est une démarche d'appellation, une démarche de territoire dans laquelle on s'est beaucoup investi au niveau des paysans pour que ça reste cette vocation de territoire et que ce ne soit pas simplement pour que ce soit les transformateurs de l'agro-industrie qui s'en emparent pour faire du profit sur le dos des paysans. Et on est en permanence en bataille dans les conseils d'administration, pour garder cette entité avec cet intérêt, public, que ça appartient à tout le monde et ça fédère un territoire et pas uniquement que ce soit de la rentabilité à court terme pour telle ou telle entreprise, dont en particulier le groupe Lactalis, premier au niveau mondial et laitier français, qui se donne une bonne image à travers les appellations, mais qui n'a pas du tout l'esprit de vouloir faire vivre un territoire. On est dans ce contexte où on essaye de mettre en valeur nos savoir-faire sur le territoire du Pays Basque. Et comme vous savez, régulièrement, il y a des consultations auprès des paysans au niveau des chambres d'agriculture. Depuis 2001, le syndicat ELB, qui est la branche de la Confédération paysanne sur le territoire du Pays Basque, est majoritaire et a plus de voix que la FDSEA sur le territoire du Pays Basque. Donc, fort de cette initiative et de ces résultats, alors c'est sûr que dans la chambre départementale avec nos voisins béarnais, on est mis en minorité, donc on a le Strapontin à la chambre de Pau, malgré toutes nos interventions, nos vocations de faire des motions et des choses, ils ont toujours méprisé. Donc on s'est dit, il faut qu'on crée, à l'instar d'autres choses pour lequel au Pays Basque les gens se sont pris en main. Je pense en particulier à l'enseignement de la langue, puisque l'éducation nationale maîtrisait. Longtemps, les gens, même on leur tapait sur les doigts quand ils parlaient en basque à l'école. Les gens se sont organisés et maintenant, une filière qui parle depuis la maternelle jusqu'au bac, où les gens, l'enseignement se fait en basque, et ça, c'est fait maintenant.
maintenant 50 ans de lutte dans lesquelles on est quand même arrivé à faire que ce soit reconnu et avec un office public de la langue basque. Donc ça, c'est, on s'est dit, mais si on ne veut pas être écouté au niveau structurel d'avoir un outil de développement agricole pour le territoire du Pays basque, eh bien on le met en place. Et ce qui a justifié ça, c'est deux choses. C'est à la fois le fait qu'il manquait cette structure au niveau du territoire, mais aussi parce que dans les orientations qui étaient prises à Pau, c'était un accompagnement vers la logique de production pour l'agro-industrie. C'était essentiellement mené par les céréaliers autour du maïs, autour de la COP de Pau, qui travaille sur la sélection des maïs pour du maïs semence, et aussi sur la vocation de faire du maïs de production standard à exportation. Donc nous, on n'est pas du tout dans cette logique-là, on ne s'est pas du tout retrouvé. Donc on s'est donné les moyens, à travers la revendication, de créer notre outil. Et dès qu'on s'est créé, on a eu un procès, c'est l'État qui nous a mis en procès, parce que, bon, on s'est appelé « Je peux aller collaborer au Jérémy », et quand on se traduit littéralement, ça veut dire « Chambre d'agriculture du Pays basque ». Or, « Chambre d'agriculture » est un mot protégé, parce que c'est une institution. Donc, on nous a contesté ce droit, et on a eu deux procès, un premier procès et un autre en appel, et que ce soit à Bayonne ou à Pau, même en terre à l'extérieur, on a gagné nos deux procès. Donc, et ça, grâce à un soutien très fort de la société civile, qui avait compris notre démarche, parce qu'il faut savoir que c'était une démarche qui était longue, dans laquelle on avait impliqué beaucoup de gens, tous les maires, et plus de la moitié s'étaient impliqués pour soutenir notre démarche, etc. Et donc c'est un vrai combat qu'on a gagné pour avoir le droit d'exister sur ce territoire et faire une politique de développement qui accompagne l'agriculture paysanne. On travaille sur différents chantiers et en collaboration avec des associations qui existaient aussi. À côté de la Manchamabala, on a deux associations qui ont un rôle très important. L'une qui accompagne comme un CIVAM bio l'association Blé sur la conversion vers l'agriculture biologique et une association qui avait déjà pris l'initiative de travailler sur la production fermière, c'est-à-dire que développer que les gens valorisent leurs produits en les transformant et les vendant essentiellement en circuit court, en grande partie, à partir de leur production de leur ferme et jusqu'au bout de leur production. Donc c'est des chantiers sur lesquels on travaille avec eux, sur lesquels on n'a pas pris d'initiative pour aller directement sur ce sujet, puisqu'il y a d'autres gens qui travaillaient dans le même sens. Donc nous, ce qu'on a mis en place, c'est une politique d'accompagnement auprès des paysans par rapport à des problèmes juridiques, parce que il faut quand même savoir que quand on voulait avoir un soutien juridique, il faut prendre la carte avec FNSEA, autrement on n'a pas le droit. Donc nous, on a mis un conseil juridique et on ne demande pas aux gens leur carte syndicale. Donc ils viennent pour leurs problèmes et on essaye de leur apporter des solutions. On est aussi interlocuteur avec la région pour encourager des financements pour financer plutôt tel type d'action dans les marges de manœuvre qu'ont la région et le département pour aller vers une agriculture qui accompagne vraiment les gens vers plus d'autonomie et plus de valeur ajoutée, production fermière, etc., les ateliers de transformation qui longtemps n'étaient pas pris en compte et que cette politique publique accompagne l'agriculture paysanne. On a aussi tout un volet sur l'accompagnement concernant l'installation et la transmission des fermes. C'est un enjeu très important parce qu'on arrive à une période où il y a beaucoup de gens qui arrivent proche de la retraite. Et si, comme je le disais, historiquement, quelque part, il y avait une obligation morale de reprendre la ferme pour emporter les noms et autres, maintenant c'est beaucoup plus choisi et je crois que c'est beaucoup mieux. Mais il faut accompagner ce mouvement-là, ça ne se fait pas de façon simple et aussi naturelle, parce que, effectivement, dans notre société, très souvent, le métier de paysan est mis à l'index, ou tout simplement parce que les gens considèrent que les contraintes de l'élevage, c'est trop difficile, et qu'ils préfèrent peut-être avoir une autre activité pour avoir des week-ends. Par rapport à ça, c'est vrai que la production autour de la produit laitière est quand même intéressante parce que c'est un petit animal qui a un cycle de production qui fait qu'on n'a pas du lait toute l'année, on a une production saisonnée. Donc les brebis mettent les années au fond bas entre novembre et décembre et on traite le lait jusqu'en juin, juillet et il y a une petite période de repos. En ce moment, c'est relativement calme. C'est pour ça que je me suis permis de prendre, j'étais fait le dernier brebis à la montagne et j'ai 3 jours, ça va être un petit peu mes vacances. D'être ici,
mais c'est important parce que quand on a dans un cycle de vie et de production à l'année une période pour un petit peu souffler, eh bien, ça permet à des jeunes aussi que le métier soit attractif. Et dans les discussions sur le cahier des charges de l'appellation Sauvignon, par exemple, l'électrique, vous allez avoir du lait toute l'année. On a bataillé pour qu'il y ait cette saisonnalité de la production, même si ça ne regardait pas directement les industriels. Quand même, ils mettaient quand même leur nez là-dedans. Et on leur dit, mais si vous voulez que demain, il y ait encore des jeunes et des gens qui continuent à faire cette activité, c'est le genre de choses qui sont très importantes. Donc après, on accompagne, donc ça c'est l'installation de transmission, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont arrêter et assurer le renouvellement, c'est important. Et on accompagne aussi sur des techniques au niveau de l'agronomie, les techniques simplifiées du sol pour éviter le labour, encourager les rotations de culture, des conseils aussi en élevage sur les bâtiments, sur des conseils en épandage pour éviter la pollution des rivières, sur la qualité de l'eau, etc. Parce que tout le long de la Nive, c'est le bassin de la Nive qui sert à l'alimentation, à l'eau potable de tout le Béarnais. Donc c'est important, on ne va pas reproduire les erreurs qui ont été faites en Bretagne ou ailleurs. Donc on a des conseils très pratiques sur la gestion des épandages d'élevage, sur le fait de faire qu'on mette des pompes à eau pour que les vaches, au lieu d'aller boire directement dans leur ruisseau, eh ben, elles peuvent pas aller au ruisseau et s'abreuvent. Faire que les gens ils utilisent beaucoup moins d'intrants, que ce soit en quantité d'achat extérieur ou l'utilisation d'intrants, pesticides et autres, pour que quelque part ils aient aussi un retour à la valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'ils produisent en ce que ça leur coûte en moins cher, et pas forcément mesurer ce qui se passe dans la jauge du temps calé, mais mesurer à la fin de l'année, au niveau économique, qu'est-ce qui est le plus intéressant pour eux. Et on a aussi une logique sur le développement local et l'aménagement du territoire sur lequel on accompagne les démarches collectives. Nous, on croit beaucoup que s'il y a des marches, des initiatives individuelles, des marges de manœuvre chacun sur sa ferme, ce qui est d'abord simple, c'est d'accompagner, de structurer les gens vers des alternatives. Donc, une des réflexions, c'était d'introduire de la rotation plutôt que de faire maïs sur maïs, et donc d'introduire du tournesol et du colza dans les rotations pour faire de l'huile à destination de la consommation humaine. Donc, une petite coopérative, une unité d'utilité qui s'est mise en place, c'est avec des voisins bernais du Bébage, sur donc, de l'huile végétale pure, colza et tournesol. Donc, la chachiardie, c'est une brebis qui a plus vocation. D'abord, c'est des bêtes qu'on abat assez tard, à 2 ou 3 ans, une viande vraiment particulière, et qui peuvent être très intéressantes pour l'utilisation des zones intermédiaires où il y a un petit peu de broussailles et des choses comme ça, pas uniquement l'utilisation des prairies. Aussi sur les vaches allaitantes, l'intérêt de la pyrénéica, qui avait des cornes en forme de lyre, au-delà de ça, qui avait une vocation à la fois de travail, de nourrir les veaux et pas que faire de la viande, mais tout en faisant de la bonne viande, en nourrissant ces veaux et avec des structures de carcasses plus faibles, mieux adaptées à la montagne et à la transhumance. Donc, ce qui est important, c'est valoriser ces particularités locales qui sont aussi intéressantes pour les paysans. Et puis, avec les transformateurs, on a aussi réfléchi sur deux filières, sur la viande, en particulier les gens qui achetaient de la viande qui venait de très loin, alors qu'ici, on la produit, et donc pour des produits transformés, et donc une filière de la viande locale, Perico Paraguilla, qui soit née, élevée ici, et nourrie sans OGM. Apporter les garanties, et également avec des minotiers, chercher, on a pas accompagné des gens à faire la culture de blé pour qu'il y ait du blé local relayé par des boulangers. Voilà, donc tout ça, ce sont des initiatives qui nous semblent importantes, au-delà de l'accompagnement individuel qu'il peut y avoir par des formations et autres, mais aussi des initiatives collectives pour que les gens se prennent en main en charge de façon collective pour répondre aux attentes. Et on a encore plein de chantiers à ouvrir, en particulier avec la nouvelle communauté d'agglo du Pays Basque. C'est une prise de conscience collective où on peut effectivement, à travers, par exemple, des cantines scolaires, des EHPAD, etc., des demandes pour qu'on réponde à des cahiers des charges, pour que ce soit la nourriture locale qui soit privilégiée, et on va accompagner tout ce mouvement-là, mais le chantier est immense, dans lequel il faut essayer de lutter tous ensemble, et que le meilleur lien, c'est de faire le lien entre les paysans et les consommateurs.
effectivement les questions qui sont posées globalement au niveau du GIEC sur le type de changer notre consommation pour consommer effectivement moins de viande et parce que l'élevage provoque effectivement est responsable de la production de gaz à effet de serre. Alors, là-dessus, je crois qu'il faut savoir de quoi on parle. Hier, vous avez un stand qui, avec une petite brochure très explicite des Amis de la Terre sur qu'est-ce qui se cache dans ton steak, la face cachée du steak. Mais c'est très explicite parce que ce qui est pointé du doigt, c'est la production de viande industrielle, où on confine les animaux dans un endroit et où on fait venir les productions d'ailleurs, etc. Ce qui n'a absolument rien à voir avec l'élevage paysan qui utilise naturellement des espaces qui ont une vocation difficile à faire autre chose. Ici, sur tout l'intérieur du Pays Basque et des endroits très en pente, c'est très difficile de faire autre chose que faire pousser de l'herbe ou de la fougère, de la litière pour les animaux. Donc, un type d'élevage dans un endroit où il y a l'herbe qui pousse naturellement, où c'est très en pente et on peut difficilement faire autre chose, ça a tout à fait sa place. Et plutôt que de consommer des productions, je dirais, très basiques, dans les supermarchés, on a fait hier une petite action pour dénoncer ce qui se passait au McDo, avec quelqu'un qui fait de la viande sur la corniche basque avec une race de viande, de production de viande nourrie à l'herbe. C'est pas du tout ce qu'on vous sert dans le McDo du coin. Donc, je crois qu'il faut quand même faire le discernement sur les types de produits. On parle de l'agriculture et de l'élevage en généralité. Il n'y a pas de généralité. Il faut bien comprendre qu'il y a des systèmes de production très différents et qu'il faut faire des choix et il faut encourager les politiques publiques pour qu'elles accompagnent un type d'agriculture plutôt qu'un autre. Et ça, c'est très difficile parce que même dans le milieu paysan, je peux vous dire que nous, actuellement, je reviens sur des combats internes qu'on a en appellation, il y a des gens qui veulent pouvoir avoir une appellation tout en nourrissant les bêtes en achetant plus de l'extérieur ou plus d'intrants. Parce que leur seul motif, c'est faire plus de volume de lait parce que la laiterie ne leur paye pas assez de lait. Mais on leur dit, mais c'est pas dans cette logique-là ce qu'il faut, c'est produire moins, c'est mieux, et c'est ça qui va vous garantir une rémunération du produit, en se distinguant, et pas en faisant la course à vouloir faire plus avec des productions standards. Ça, je crois que c'est très important de comprendre le rôle de l'agriculture sur des territoires où on peut difficilement faire autre chose, mais sur quel type de production. Et ce que ça rejoindra sur l'une des problématiques qui est citée sur celle de la publicité par rapport à l'alimentation pour les enfants, eh bien oui, même nous, on est contraints, à travers notre politique de territoire au niveau d'appellation au Sud-Irati, pour pouvoir exister. C'est du fromage de brebis, ce n'est pas des très grosses quantités, mais il faut quand même se faire connaître. On a retourné récemment des images en pleine montagne de bergers, mais pour nous, c'est que l'image qu'on envoie, c'est la réalité de ce qu'on fait. Et avec des conditions de production pour limiter les quantités produites par animaux, pour faire qu'on a supprimé l'ensilage maïs dans l'alimentation des animaux, etc. C'est un ensemble de choses qui donne vraiment une vraie image de ce qu'on fait par rapport à une production de qualité dont on garantit qu'elle est faite ici, sur ce territoire, et pas ailleurs. Et alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'on a même des grandes entreprises qui sont présentes, qui l'utilisent, qui font même la moitié du tonnage, et qui jouent sur les deux tableaux. Ils font une publicité, eux, à côté, avec plus de moyens, eux, individuellement, que nous, collectivement, sur leur produit de marque, qui est tantôt sur du produit appellation, tantôt sur un autre produit qui n'est pas forcément d'appellation, mais leur production de marque. Et eux, quand ils en ont fait de la pub, eh bien, ils étaient allés tourner le film en Slovénie sur des paysages ressemblant voyelles, montagnes, etc., mais avec des acteurs, parce qu'il n'y a pas de petite économie dans les multinationales, parce que ça coûtait moins cher d'aller tourner le spot là-bas que de le faire ici sur le territoire. Vous voyez à quel niveau ils sont radins, ces gens-là. L'appellation d'origine protégée, c'est quand même un cadre spécifique parce que les cahiers des charges sont validés, c'est des textes de loi et c'est une véritable politique publique. Et ce qui est aussi intéressant, c'est dans le cadre des échanges qui ont lieu, donc même dans les accords de libre-échange, les indications géographiques sont des fois au cœur des négociations. Alors par contre, elles n'y sont pas dans le sens que nous on souhaite. Elles sont effectivement utilisées
elles servent de moyen d'échange et on protège celles qui ont plus de valeur économique, parce qu'on est dans la logique uniquement du business et pas forcément sur les savoir-faire et défendre les choses. Donc on va protéger forcément les champagnes, les grands vins Bordeaux, etc. Dans les fromages, on va défendre le comté, le roquefort, ou le soyraté, en prenant pas grand-chose autour, on n'est pas cité, on est les derniers de la liste, quoi. Au niveau de l'Europe, on a pris, entre guillemets, une certaine longueur d'avance sur la notion de l'indication géographique, mais ça, c'est possible pour tous les pays d'ailleurs. On peut faire du développement en disant que si on fait tel type de production, mais dans certaines conditions, en respectant des conditions assez strictes, et donc ça peut être une façon d'établir des règles de commerce plus équitables. On a établi des bases de droits qui sont intéressantes, mais c'est ça qui doit être mis en avant et être prioritaire. Et dans ce sens-là, on pourrait avoir des échanges beaucoup plus équitable avec les autres quand on met en avant des produits d'indication géographique.